running throttle because the feeling, you know, the rear. Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la saison 99 de Formule 1 à Monaco. On va directement commencer les qualifications. Donc, qualification, c'est parti. Réglage de la voiture, voilà, ça par contre, ça on va le faire parce qu'à mon avis, il va falloir avoir pas mal d'ailerons pour cette course. Au niveau de la boîte, on va mettre une boîte très courte puisqu'on est dans un circuit très très lent. On désactive ça et on va faire la qualification directement. J'espère que le jeu va pas crasher. Les rues étroites et sinueuses promettent de grands frissons et de nombreux pilotes faire à domicile car ils ont choisi rejoindre de vivre la piste. C'est un circuit dangereux où la moindre erreur se paye cash. En espérant qu'il n'y ait pas de crash, parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, le jeu a crashé en essai libre. Donc si ça replante, eh ben je pense que c'en est fini de la saison 99. Je suis désolé, mais malheureusement, j'aurais tout tenté. Et à chaque fois, si le jeu plante à un moment, c'est pas cool, quoi. Surtout que ça le fait sur deux versions du jeu, donc ça vient pas forcément d'ISO. Je pense que ça vient du anti-patch ou je sais pas. Peut-être de l'émulateur, mais ça voudrait dire qu'il faut que je recommence tout. Enfin, on va serrer les fesses, on va voir si ça tient. Ça avait crashé au bout du circuit, donc on verra bien cette fois-ci. En plus, c'est l'émetteur carrément qui plante, hein. C'est-à-dire que c'est même pas le. C'est même pas le jeu, j'ai l'impression. Enfin, c'est trop bizarre. C'était vers là que ça avait planté. Voilà, dans les grues Monaco. Ah, c'était vers là, ça avait craché. Donc deux tours pour la qualification. C'est parti. On a 3 victoires pour le moment cette saison. On est leader du championnat, mais là ça va commencer plus difficile parce que Monaco, je pense qu'on peut faire un bon temps, il n'y a pas de raison. Mais il va falloir pas faire trop d'erreurs quand même. Pour ce tracé. T'as raison que j'ai mis les ailerons au maximum, parce que sinon on tomberait même pas. D'ailleurs on est en avance au Schumacher au premier secteur. On va prendre l'intérieur sur la Prost. Et voilà, déjà les retardataires. C'est bon, on est passé, on a eu du bol. Les effets de lumière là sont vraiment magnifiques. Sur ce circuit. Même l'effet de reverb est pas mal. On va franchir le dernier tour. Et où j'ai tapé un petit peu. On aura fait un premier tour. Je suis 20ème. Oh my god. Ah, je pensais vraiment que j'allais faire un meilleur temps que ça. Apparemment c'est pas suffisant. Attention à la Jordan, on va prendre à l'intérieur. Allez, je suis un peu plus rapide, j'ai une seconde d'avance. Ce mur ne pardonne pas. C'est bon, on l'a mieux pris. Bon, la chicane légèrement coupée, mais bon. Je pense que c'est vraiment dans le dernier secteur que je perds tout. Là on l'a pris à fond.
Ah non, j'ai touché. Ah, c'est dommage, j'ai pas mal d'avance là. Bon, bah tant pis. Ils vont à partir, je pense encore 20ème, je pense pas avoir fait mieux. Ah, j'ai pas fait mieux du tout. Bon, bah écoutez, alors ce que je vais faire, si ça vous embête pas, je vais sauvegarder sur un autre slot la qualification, au cas où. On va faire quitte fin des qualifications. Ah, du coup, on va partir dernier. 21ème. Allez, c'est parti. Course. La voiture, c'est bon, elle est bien réglée. En pole position, Michael Schumacher. Près de lui se trouve David Coulthard. Et en troisième place, nous retrouvons Mika Hakkinen. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième place, Ralf Schumacher. En sixième place, Rubens Barrichello. Septième place, Heinz-Harald Frentzen. En huitième position, Damon Hill. Neuvième place, Alessandro Zanardi. Dixième place, Giancarlo Fisichella. Onzième position, Johnny Herbert. Douzième place, Jarno Trulli. En treizième place, Jacques Villeneuve. Quatorzième position, Mika Salo. Quinzième place, Alexander Wurtz. Seizième place, Olivier Panis. Dix-septième place, Jean Alési. En 18ème place, Pedro Diniz. 19ème place. Bon, pas de. Non, pas de surprise. C'est parti! Donc, mon équipier qui est avec moi, c'est parti. A mon avis, ça va s'entasser très rapidement au point virage. Ce qu'il y en a eu, c'est qu'il y a la Rose qui est en plein milieu. Ah ouais, non, ils ont pris le premier virage extrêmement vite. Hein. C'est la première fois que je vois un jeu où le premier virage se passe comme ça. En général, il y a toujours un énorme ralentissement. Bon, du coup, ça va être plus intéressant, je pense. Bien sûr. Il remonte rapidement. Ah, je voulais essayer de prendre la rose à l'intérieur, mais ça va être compliqué. Là aussi, ça va être compliqué. Oh, on a cours des pas trop de 13. Attention, on attaque plus légèrement. Il va resserrer à cet endroit. Ah, j'ai loupé la chicane. Alors, accélération peut-être. Ouais, il se décale. Et c'est bon, ça passe. Oh, la rose qui nous a repris à l'intérieur. Les serres, ça passera pas. Oh, les IA là, elles sont vraiment, vraiment compliquées. Eh non, là, ça passera pas non plus. Va-t-il réussir à le dépasser? S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Allez, là, on est bon. Alors, accélération, ça peut passer. Et que va-t-il faire maintenant? On va essayer de remonter. Voilà ce qu'on va faire. On a Mika Hakkinen qui a fait le meilleur tour. Il a rebondi contre le mur. Il réduit l'écart qui les sépare. Ah, il y a un abandon. Devant. Ouais, pour la Sauber, ça fait bon. Ouais, malheureusement, non, pas l'intérieur. Oh! Oula! Bon, attendez, il s'est passé un truc bizarre. Encore en abandon pour une Steward, j'ai l'impression. C'est vraiment pas évident à esquiver les IA là. Et surtout à dépasser. On est 17ème pour le moment. Alors Monaco là pour marquer des points, on va galérer. À mon avis, ça va être compliqué. Ouais, c'est passé sur la Sauber, un peu au chausse-pied. Barrichello 7ème, 8ème, Villeneuve. Pas mal, pas mal le pied de Baronda là. Baronda, par Supertech, je vois, je me trompe. On a quelques chocs, mais on n'a pas de dégâts visibles, donc je pense que Poisson ça va. Donc physique à l'air, Barton abandonné. Allez, à l'intérieur ça peut passer. Oh là, je l'ai fait vraiment au maximum, c'est bon. Ah là, par contre, on a vraiment touché. Aïe. Il faut vraiment que je fasse attention, parce que je commence à casser la voiture.
Oh, dans le tunnel, espérons de pas faire une Schumacher Montoya comme en 2004. Et. Ouf. Mais bon, on est passé. On est plus rapide, mais pas forcément partout. Là, on a un petit peu ralenti. On va essayer de passer la Sauber Camel accélérée. Elle a été gênée par la Williams de Zanardi, j'ai l'impression. Oh, à l'extérieur sur Zanardi, incroyable, c'est passé. Et on va dépasser Villeneuve. Oh mon dieu. Non, c'est pas Villeneuve, c'est Zonta. Mais non, si, c'est bien ça. Je comprends pas trop le classement là. Aïe, 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 aïe. Alors. On est dixième. Pas un pilotage parfait, hein. On fait pas mal d'erreurs. Mais pour l'instant, c'est pas des grosses, grosses erreurs. Oh là là, la barque est pas loin. Vous voyez les traces que j'ai laissées, elles sont restées sur le sol. Et là, on va dépasser Villeneuve. Oh, le setup est bon. On a une bonne vitesse. À chaque fois cette chicane on tire un petit peu large. On va essayer de rattraper Barrichello qui est devant nous. Enfin qui est devant nous, qui est un peu loin devant mais qui est devant nous quand même. Allez, Irvine en tête, Schumacher, Coulthard, Dakinen, Hill, Ralf Schumacher, Frenzen, Barrichello et Sarrazin. Ah, peut-être que j'ai abandonné. Ça s'est resserré devant. Toujours un paquet. Oh là, et déjà on va dépasser la Stewart. Oh, il nous voit. Et on a pété la roue. Oh là là, on dirait Schumacher en 2004 justement. Oh là 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 là, mon dieu. Bah, on va devoir rentrer au stand hein, malheureusement. Oh l'accident! Oh l'accident! Ah bah là, là c'est fichu. Oh, moi je vous le dis, c'est fichu. On va essayer quand même de rejoindre les stands pour réparer, mais à mon avis c'est mort. Oh là, on a fait comme exactement pareil que Schumacher en 2004. On va rentrer au stand. Ouais, c'est bon. Alors, s'il va pouvoir réparer la roue, par contre. On est 13ème, 14ème. Enfin, la mi-course, ça va être compliqué. Ouais, dans 19ème, 18ème, peut-être même. Et on va repartir dernier. Allez, 5 secondes, 4 secondes. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va pouvoir réparer. Attention, attention, la safety car qui est en plein milieu. Allez, c'est parti. Ben, on repart bon dernier. Hein. Ah, cette erreur avec la Williams. C'est vraiment dommage. Ah non, ça va être très, ça va être vraiment vraiment impossible, je pense. Je vois les mecs dans les points, ils sont déjà très très loin. Allez, on remonte. Marc Gené, c'est mon équipier. Espérons qu'il va pas me gêner. Ah, j'ai encore touché. Si je veux avoir mes chances, faut vraiment que je le double rapidement. Autant dire que c'est pas gagné. On se gêne entre Piet Minardi, c'est dommage. On va donner tout ce qu'on a hein, pour essayer de remonter. Il vient de réaliser une incroyable...
Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai bien appris sur deux virages comment aller plus vite, donc on va pouvoir gagner vraiment pas mal de temps. Il réduit l'écart qui les sépare. Oh la Rose qu'on va dépasser à l'extérieur, incroyable. Aïe. Ah non, malheureusement la Prost. Surtout que pas que je fasse cette fois la même bêtise. Hein. Il remonte rapidement derrière. Aïe. Ah, je suis obligé d'aller très très vite hein, si je veux remonter. Ah, c'est pas bon. Trop de temps perdu. Alors, tiens, qui est du mal à tourner maintenant. Aïe. Et Vinev qui est 7ème. Je me concentre sur Vinev parce que pour l'instant, c'est le seul. Pas de Panis aussi d'ailleurs qui est bien placé. En 8ème position. J'arrive pas à tourner. C'est impressionnant. Voilà, 3 tours ça va être compliqué. On va remonter. Ouais, j'ai une légère perte d'appui. Et à Monaco ça pardonne pas. Hein. Après c'est ma faute, hein, bien sûr. Alors ce qui est marrant, vous remarquez qu'il y a quelques textures qui deviennent transparentes dans les virages. Qui permet justement de voir un peu la suite, mais c'est quand même bizarre. Allez, on essaie de revenir sur le paquet. S'il profite de l'aspiration. Allez, c'est bon, la Prost est doublée. Il réduit l'écart qui les sépare. Allez, la Benetton est doublée là, ça va être compliqué. C'est vraiment la partie la plus difficile pour dépasser. De toute façon, Schumacher est 6ème, Dorvain toujours en tête. Oh, c'est passé! Ouh! Dépassement sur l'extérieur totalement anarchique, mais c'est passé. La Prost maintenant, on est 13ème. Allez, on égale sur la Sauber, on est 12ème. Il s'est pris le mur! Aïe, j'ai touché. Les Anardi qui a abandonné aussi. Ah, mon coéquipier a abandonné. Il reste 2 tours, ça va être très très difficile. Il y a un énorme gouffre devant. J'hésite à 7 secondes. L'avantage c'est que dans cette partie. Ah, il est dans cette partie là, on sera pas gêné. Je sais que si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Ah, Fazen Barrichello, qu'est-ce qui s'est passé? Avina est sorti du top. Si, 9ème. Ah, je me concentre sur mon ancienne écurie, puisqu'on était avec eux juste avant. Et voilà, on sait pas pourquoi il dit ça. Voilà, ce dernier tour, il n'y a rien à faire. Bon, après, c'était un petit peu prévisible, hein, le fait de galérer. Dépasser à Monaco, c'est quand même pas le plus facile. Ben, je serais à peine revenu sur le groupe de tête. Et Dirvan qui remporte la course, c'est moi qui me rends dans le mur. Bon bah écoutez, on va finir 12ème. Je m'attendais pas trop à ça. Enfin, bon, je m'attendais pas spécialement à grand chose sur Monaco, je vous avoue. Alors on avait la voiture quand même pour. Hein. Ouais, franchement le setup était nickel. Mais j'ai fait trop d'erreurs, du coup on finit 12ème. Bon. Non, le jeu a crashé maintenant, sérieux? Bon,
Écoutez, c'est pas trop grave, même si le jeu a crashé, puisqu'on va juste faire abandonner la course pour passer à la suivante, ça changera pas grand chose. Ah, je suis dégoûté par contre, le jeu qui crache maintenant, c'était dans le pire moment. Donc du coup, alors je suis désolé, le son qui bouffe, qui bouffe, qui bouffe. C'est pas grave, on va relancer le... non. Donc, on va relancer l'émulateur. Hop, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, bah, comme on n'a pas marqué de points dans tous les cas, comme on n'a pas marqué de points, on va faire... Voilà, on va faire course. Et on va abandonner, tout simplement. Fin de tour de chauffe. Voilà, on va faire quitter la course. Et voilà, bon, le classement est un petit peu différent, désolé. Mais bon, au moins on passe à la suite. Donc du coup, on va voir le classement. Enfin, je pense qu'on peut voir le classement. J'espère qu'on peut voir le classement du championnat. C'est un peu bête quand même. Attendez. On va voir. Voilà, donc Schumacher a remporté la course. C'était Irvine normalement, c'est le seul changement. Frenzen donc marque le point, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher et Irvine. Et Ralf Schumacher finit quatrième quand même sur cette course là. On est dans le moment de Mika Hakkinen en 21e position. Quel abandon on a eu d'autres extraordinaires, on n'en a pas eu. Voilà, donc au championnat on est quand même toujours premier avec 30 points. Michael Schumacher deuxième 23, Eddie Irvine 14, 12. Alors Irvine ouais, il aurait été un peu le plus haut quand même. Schumacher plus bas, donc Schumacher il aurait été à 19 et Irvine aurait été à 18. Mais pour l'instant, on est toujours... Bah, à la limite, c'est même mieux pour les IA, puisqu'ils sont plus proches de mon championnat. Et on a un point toujours pour Stewart. Ce qui fait qu'au championnat constructeur, on a Ferrari qui passe en tête devant nous-mêmes. Minardi, 3e McLaren, 4e Jordan, 5e Williams, 6e Stewart. Bon, écoutez, je suis désolé. Hein. Bon, enfin, ça n'a pas changé grand-chose cette fois-ci, parce que bah, parce qu'on n'a pas marqué de points dans tous les cas, donc ça ne ça n'interfère pas grand-chose. Mais j'espère que les prochaines courses vont bien se passer. J'ai l'impression que ce jeu va être très très compliqué, très très capricieux. En plus c'est dommage, on a fini la course, je me suis dit c'était bon. Mais en fait, non, pas du tout. Donc c'est vraiment vraiment dommage. Bon, bah écoutez, je vais faire une sauvegarde à ce niveau-là. On va faire, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. J'espère que ça se passera bien pour la 5e course. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao tout le monde!